n'en restera qu'un. Dans les épisodes précédents, les éliminations successives des rouges ont fait rage, grâce à une stratégie redoutable des jaunes orchestrée de main de maître par l'étonnant Régis. Les pauvres Charlotte, Dany, Anne-Solène, puis Clémence et surtout le redoutable champion venu de Bretagne, Michael, ont été priés de rentrer chez eux. Il n'en reste que 4. Ce sont nos finalistes de Haute-Lanta. La première finaliste est Mumu, jeune esthéticienne de Montpellier, blonde à forte poitrine, qui veut prouver qu'il n'y a pas que les costauds et les intellectuels qui peuvent gagner Haute-Lanta. Bonjour, je suis Mumu de l'Aude et je suis esthéticienne dans la vie. J'adore faire les ongles et j'adore le rose. Et là, Haute-Lanta, pour moi, c'est un défi. Les clients, ils attendent pour voir si je gagne ou pas. Alors, Haute-Lanta, c'est pour moi. Le deuxième finaliste est Fred, un agent secret champion de pédalo en eau vive, habitant dans une résidence très secrète, au 45 rue de l'église, 97-120 à Punta Cana. Bonjour, je m'appelle Fred Antoine de Cavalère, je suis agent secret, mais avant tout naturiste, et je suis champion du monde de pédalo en eau vive depuis 1984. Je vais Haute-Lanta. Troisième finaliste est Régis. Ce joueur invétéré de Uno peut s'avérer être un adversaire redoutable dans les moments difficiles où le mental doit prendre le dessus. Cet expert comptable a plusieurs cartes dans son jeu. Je suis Kiro, le roi du Uno, je fais tous les tripots. Je suis Kiro, le roi du Uno, je fais tous les tripots. Caroline, la quatrième finaliste, est mère au foyer célibataire de 11 enfants. Elle a les nerfs solides et l'énergie pour affronter les épreuves. Elle s'est entraînée durement tout l'hiver avec un coach sportif reconnu, Romuald Depa. Bonjour, je suis Caroline, j'habite en région parisienne et je suis mère au foyer. Ah, donc ma plus vieille, Astrid, Charlotte, Pauline, Clémence, Zélie, Zoé, Thomas, Hugo, Anne-Solène et Oban. Et la petite dernière qui s'appelle Lucie. La semaine dernière, lors de l'épreuve d'immunité, qui consistait à gravir le dénivelé impressionnant entre Oz Village et Oz Station, le jeu a pris une toute autre tournure. Dany, le sergent de l'équipe rouge, s'est perdu. Nous ne l'avons à ce jour toujours pas retrouvé. Et Michael, le champion breton, gagne l'épreuve, mais a été coupable de tricherie en prenant le télésiège. Il a été officiellement disqualifié, ce qui marque la tragique fin des rouges. Oz en moisson ! Oz en moisson ! Revenons sur l'épreuve du rafting de la semaine dernière qui a vu l'équipe rouge perdre de nombreux éléments dans la furie des eaux de la Romanche. En effet, le joueur de Uno, encore lui, aurait volontairement poussé Anne-Solène et Hugo hors du bateau. Ils auraient été engloutis dans les profondeurs de cette rivière en colère. Qui résistera? Qui déjouera les pièges les plus subtils? Est-ce Régis, l'invétéré joueur de Uno, ou Fred, le champion naturiste de pédalo, prêt à tout pour vaincre? Vous le saurez dans le prochain épisode de Haute-Lanta 2015. Les 4 finalistes, après avoir remporté de nombreux succès, sont fin prêts pour la dernière épreuve. Qui restera chez lui à un pas de la grande finale? Qui ira en finale? Vous le saurez en regardant Haute-Lanta 2015. L'épreuve de VTT de descente coïncide avec le début de la trahison de Caroline sur Mumu. Les deux filles cuiche-mises depuis le début de l'aventure auraient eu des vues sur le même garçon. Flo, le séducteur de Pose Station, un magnifique mâle célibataire aux yeux bleus dont les muscles saillants en bouleversent plus d'une. Les coups bas et les stratégies sont de mise avant le conseil de ce soir. Qui sera éliminé juste avant la finale des poteaux? Qui repartira avec Flo, le prof de VTT? Vous le saurez en regardant Haute-Lanta 2015. Fred, je t'élimine parce que tu es un bougeat. Mumu, je t'élimine car tu as raté la décoloration de tes cheveux. Loyal, je t'élimine car tu as raté l'épilation de mon maillot. Et en tant que roi du Uno, ce n'est pas possible. Muriel, je t'élimine parce que je n'aime pas les blondes à forte poitrine. Muriel,
Les vacanciers ont décidé de t'éliminer. Leur sentence est irrévocable. J'ai été très contente de participer à Oslanta. Par contre, Fred, t'es un vrai bougeat. Vraiment, c'est... J'ai jamais connu ça de ma vie. Et puis Caro, ma mère au foyer, mon cul, ouais. Elle va te faire foutre. Et toi, le maillot, là, le maillot, ben oui, je te l'ai raté, le maillot, t'as une touffe comme c'est pas permis, on dirait la montagne d'os, quoi, ton maillot, c'est pas possible. Merde. Fred, qui a nourri toute son équipe depuis le début du jeu, se retrouve confronté avec ses deux compères à la terrible épreuve de la dégustation. Dans ce domaine, Caroline est imbattable et remporte aisément l'épreuve, pour un confort exceptionnel. Une nuit avec Flo, le roi du VTT. La jalousie de Régis et de Fred seront à leur paroxysme. Ne va-t-elle pas payer cher cette victoire inopinée ? Dans le prochain épisode, lors de la finale à 3 sur l'épreuve mythique des poteaux, vous verrez comment Caroline, la mère au foyer célibataire de 11 enfants, déjouera les pièges de ses adversaires sous une chaleur caniculaire de 46 degrés à Londres. Nous battrons un record de longévité sur les poteaux, plus de 4 longues heures interminables qui aboutiront à une victoire inespérée de la Benjamine des finalistes. Tous les pronostics seront bouleversés grâce à une Caroline survoltée et transcendée par l'événement. Ils étaient 12 candidats au départ, il en restera 4. Ce sera le gagnant de Oslanta 2015. Putain, il s'est cassé un bon.